Aïe, 19h, 19h, et comment je vais le commencer celui-là de stream vraiment, parce que ça c'est un truc quand même très très ennuyeux, parce que ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est particulièrement perturbant, parce que tu sais qu'on t'attend, quoi. Tu sais que le public est là et il fait, celui-là il a pas intérêt à me le pourrir, quoi. Parce que tu vas parler d'un jeu qui est très vieux, donc que beaucoup de monde connaît, enfin il y a beaucoup de chances que beaucoup de monde le connaisse. Et en plus, il a été très très connu et il a fait partie de ces titres qui ont permis de populariser le jeu vidéo en 1984. Oui, je ne lâche toujours pas le nom. Bah, parce que vous voulez vraiment pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Je sais pas, je vais demander à Fred au grenier s'il veut pas le faire. Non, le jeu est pas injouable. Il est parfaitement jouable. Mais il y a des jeux, on les aime pas. Puis ils vous aiment pas non plus, c'est réciproque. Et moi, c'est exactement le problème que j'ai eu avec Time Pilot. Alors oui, forcément, si vous aviez de l'acné en 1980 et des poussières, vous connaissez Time Pilot. Il fait partie de ces titres universels qui ont eu un succès planétaire, tout simplement. Le concept du jeu était con comme la lune, hein. À la base, c'est les scrolling horizontal étendu, on va dire. Et du coup, vous ne vous arrêtez jamais. Et oui, c'est un avion. Pour qu'il reste en l'air, il est obligé d'avancer tout le temps. Et en fait, c'est là que le jeu met en place sa petite stratégie de stress, puisque vous êtes condamné à errer sur l'écran et à tourner et boucler sans arrêt et éternellement, jusqu'à faire cette fausse manœuvre fatidique qui signifiera ben, votre mort pure et simple. Je vous l'ai assez bien vendu comme ça? Je vous ai assez bien vendu mon excuse pour ne pas être bon dans Time Pilot? Bon, ben, alors on va pouvoir y jouer peut-être. Il me manque plus que le fait du démarrage et on est dans un monde merveilleux où la perfection est de vigueur. De rigueur? Non, de vigueur. C'est mieux. Je l'ai mon fait de démarrage, je le sens. Et oui, j'ai déjà tout sur l'écran, vous avez rien. C'est un signe. Et en plus, quand il y a le son qui arrive et que vous avez toujours rien, c'est que c'est même un double signe. Deuxième tentative. Et oui, ne désespère pas. Un jour, je ferai des streams sans aucun fail. Et j'en ferai plusieurs d'affilée. Et vous serez assez subjugué, je pense. Si vous ferez. Ça me manque. Time Pilot, nous voilà. Alors, attention, une erreur dans l'annonce de ce stream, puisque ce n'est pas le Time Pilot original, mais c'est un remake déjà. Et du coup, je le connais pas. Ratatatata, j'ai mes myrtilles là qui me parlent. Ça me dit vaguement quelque chose. Ok, oui, d'accord. Donc c'est la suite de Time Pilot. Ce qu'on pourrait appeler Time Pilot 2, mais vu qu'on est en 84, ils ont préféré dire Time Pilot 84. Et je crois qu'il est vachement bien en fait. Parce que du coup, maintenant, il amène ce principe de devoir loquer les gros ennemis. Et oui, le petit tir ne suffit plus. Et c'est assez hardcore. Alors, je me rappelle plus sur quelle machine j'ai eu l'opportunité d'y jouer. Si c'était vraiment la borne d'arcade ou si c'était une version Amiga. Je pense que c'est une version Amiga. Et je l'avais pas plus apprécié que ça. Mais bah oui, j'avais déjà des goûts d'enfoiré. Mais voilà. Mais le jeu est très bien pour son époque. On va voir ça tout de suite. C'est un peu fort chez vous, tant mieux. Je veux que vous soyez complètement sourd à la fin du stream de toute façon. Alors j'ai piou piou piou. Et j'ai l'autre piou. Voilà, ouais, c'est ça. Pour flinguer ce qui est au sol. Alors faudrait que je m'inquiète un peu de ce qui est au sol un jour. Déjà, que j'identifie les menaces. Et oui, il faut les loquer déjà, monsieur. C'est vif, hein. Bien les garder dans le giron pour les alloquer, sinon c'est foutu. Oh putain. Ça va se terminer dans du sang et des sanglots. Putain, mais qu'il est con ce missile guidé, c'est incroyable. Mais tu sers à quoi en fait? Missile guidé de merde. Non, 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 on y retourne. Mais je sais très bien qu'on n'a pas fait les 5 minutes légales. Mais pff, même, j'ai envie d'y retourner. Ah oui, parce que... Le problème du jeu, là, c'est pas qu'il est nul.
c'est que j'y joue mal, voilà. Et c'est une habitude à reprendre. Donc ça veut dire, on traduit de chez nous bien propre, faut que t'aies déjà inséré de la monnaie, hein. Tu te sens un petit peu entraîné dessus, sinon tu n'avances pas. Et je vous garantis qu'une fois que vous vous entraînez un peu, et que vous avez chopé le coup, pour arriver à loquer tranquillement ce qui est loquable, et nettoyer dans le ciel ce qui est nettoyable, autrement qu'en vous crachant la gueule dessus comme je le fais lamentablement depuis le début, Ah, il est corsé le goût, hein. Alors là, ça veut dire que j'ai le gros babu, et oui, le gros babu qui vient de se faire déchirer la tête en direct. Et là, j'ai mérité de passer au tableau suivant qui va être beaucoup plus facile. Avec des ennemis pas collants du tout. Oui, bah, merci. On va s'arrêter là. Donc voilà pour ce Time Pilot 84. Ça veut dire que, et oui, à l'heure où j'enregistre ce stream, je n'ai toujours pas fait l'original. Ça veut dire qu'il faut que je me retrouve l'original pour vous le montrer et le streamer juste avant, délicatement, comme si de rien n'était. Magie du montage et de la diffusion en différé. Je vous laisse avec les streams habituels, c'est-à-dire la playlist courante, la playlist des shmups, où vous retrouverez tous les collègues de Time Pilot 84. Et je vous donne rendez-vous à demain 19h. Ciao.